Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Adrien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va vous servir à vous montrer que qu'est-ce qui se passe en gros quand on monte juste une carotte jusqu'au niveau 10, mais aussi de vous aider peut-être en tant qu'aussi que Solus pour vous montrer comment obtenir certaines fusions, certaines compétences par rapport à la personne à qui vous sera demandé, et j'en passe. À quoi ça servira tout simplement de monter juste une Caroline? Bah, d'obtenir la personne la plus puissante de l'arcane qui leur est propre, mais aussi d'obtenir de bons petits bonus liés à la Velvet Womb. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et je vous donnerai la réponse dans les plus brefs délais. Bon, comme on dit, commençons. Pour commencer, il vous faudra débuter avec un Jack Frost qui a Mabufu. Pour que Jack Frost apprend Mabufu, rien de plus simple, montez-le niveau 13. Une fois que vous avez le Jack Frost monté niveau 13 avec la compétence Mabufu, allez parler à Justine et Caroline.認めて。しかし、つくづく貧相だな、お前のペルソナども。だが今回、刑務作業を真面目に終えた点は評価してやる。お前は更生の可能性ありだ。あなたの更生が進むのであれば、他の毒棒を使わせる甲斐もあるというものです。珍しいな、ジュスティーヌ。カロリーヌ。 それはあなたです。何か。私が？おい、囚人！貴様！囚人風情が！あなたに更生の兆しが見えたことに、監視として成果を感じただけのこと、そうに違いありません。それを面白がるとは、 実に心外です。囚人、貴様時々自分の立場を忘れるようだな。いい度胸だ。その息ならさぞ剣舞もはかどるだろうな。ですが、このあなたが今後も続ける意志があるなら、我らも牢獄での行動に融通を聞かせましょう。私たち監視と囚人のあなたとの取引です。まあ断る権利はない。 囚人が労働に励むのは義務だからな。我は汝、ちぎりはすなわち、と我、豪気のペルソナの生誕に祝福。よし。それでは、 Pour la suivante, il faudra un Hame no Hozume avec Frey. Vous pouvez obtenir des cartes Frey parmi les missions, et si vous n'avez pas de carte Frey, il vous suffira de sacrifier un Makami sur la chaise électrique pour l'obtenir. Bien sûr, une fois que vous avez votre Hame no Hozume avec Frey, eh ben, allez parler de nouveau aux jumelles. よいでしょう. Ah.
それでは。では。Alors cette fois-ci, pour avoir un Floros avec Tarukaja, rien de plus simple. Il voudra fusionner un Baelitz, un Aurabas et un Eligor. Par contre, il faut que votre Eligor soit de minimum niveau 16, parce que logiquement au niveau 16, Eligor apprend Tarukaja. Une fois qu'il aura appris cela plutôt, il vous suffira juste de fusionner Baelitz, Aurabas et Eligor, qui a Tarukaja, pour que la persona Floros en hérite. Ensuite, vous aurez vu, ça sélectionner les compétences à hériter, tout simplement. Donc Tarukaja, comme vous voyez, moi, j'ai mis à peu près de tout. Tout simplement, histoire de mettre des boosts et tout, et vu que c'est pas une personne que j'utiliserai, voilà, j'ai mis les trucs qui me passaient sur la tête. Enfin, qui me passaient par la tête, je pense que c'était un peu plus français. Une fois cela, comme d'habitude, allez parler aux jumelles. やればできるではないか。ええ。囚人。ええ。では。それでは。Alors pour Phoenix, ce sera un peu différent. Alors pour que vous ayez la compétence contre-attaque, il y a deux solutions qui est possible. Soit vous faites la troisième mission, donc la troisième sortie avec les jumelles en ville pour obtenir la carte de compétence contre-attaque. Ou faites comme moi. Vous fusionnez Jack-O-Lantern et un Wapo pour avoir un Yaxini. Puis vous faites la fusion avec un Yaxini monté au niveau 20 et Kelpie pour avoir un Phoenix avec contre-attaque. Oui, parce que Yaxini au level 20 apprendra contre-attaque. Tout simplement. Une fois votre magnifique phénix avec contre-attaque, allez reparler bien sûr aux jumelles, comme d'habitude.
どういうことですか? Pour obtenir un Sea Danda avec Rakukaja, tout simplement, il vous faudra une Lamia assez bon niveau, car à un certain niveau, Lamia apprendra Rakukaja, à moins que la Lamia que vous avez recrutée a directement Rakukaja. Il vous suffira juste de fusionner une Lamia avec Rakukaja avec Silky, ce qui vous obtiendra un Sea Danda avec la compétence Rakukaja que vous demandera les petites jumelles. Une fois le Sea Danda Rakukaja en votre possession, parlez aux jumelles. やればできるではないか その通りです。 Alors, maintenant pour le Neko Shogun avec Dekaja. Tout simplement, déjà, il vous faudra un Anzu.
à Hanzo que vous devrez monter niveau 28 pour qu'il apprenne la compétence des Kaja. Puis fusionner Hanzo avec Kodama et Sudama. Ensuite, vous, quand vous lancerez la fusion, vous gérez juste à lancer, à mettre les compétences héréditaires. Puis lancer la fusion pour votre magnifique Neko Shogun. Oui, parce que moi je l'adore. Avec des Kaja. Une fois cela fait, retournez parler aux jumelles pour montrer votre magnifique Neko Shogun. Il est beau ce pépère. Alors pour la K6 avec Tetraja, il vous faudra principauté. Une principauté au niveau 29 pour avoir la compétence demandée. Qui vaudra bien sûr plus un marchand de sable. Donc de fusionner principauté niveau 29 plus le marchand de sable. Qui vous permettra d'avoir un tot avec Tetraja. Grâce à principauté. Et ensuite, une fois que vous avez tot, eh ben vous fusionnez Tot avec Hanzo. Ce qui vous créera un Lake 6 avec Tetraja. Nanda.
Merci. Alors, le prochain Hécatonchir ou Hécatonchires, comme vous préférez le dire, mais moi je préfère dire Hécatonchir, avec Masukunda. Alors sachez que Lilim apprend Masukunda au niveau 34. Ensuite, il vous faudra fusionner Lilim avec Anzu pour obtenir votre Hécatonchir avec Masukunda. Oui, je pense que vous êtes dit la même chose que moi quand j'ai fait ces missions. Notre cher Anzu revient énormément dans les fusions. Où est-ce qu'on peut choper Anzu? Alors moi, je l'ai chopé au moment du monde de Futaba. Dans le palais de Futaba, il y a des Anzu. Après avoir votre Hécatonchir avec Masukunda, parlez aux petites jumelles. Alors pour le prochain, qui est Bugs avec Samari Karm, il vous faudra Hality, une Hality qui apprend Samari Karm au niveau 41. Une fois qu'elle aura appris la compétence tant demandée, vous n'aurez plus qu'à faire la fusion avancée avec Hariti qui est au niveau 41, plus une Pixie avec Pisaka. Une fois ces trois personnages sacrifiés pour la fusion, vous obtiendrez votre Bugs avec Samari Karm.
なるほど。 Une fois en possession avec Bugs et la compétence demandée, allez revoir les petites jumelles. それでは。 聞け、囚人。 Alors maintenant pour la dernière qui est 7 avec Boomerang, il existe deux moyens d'avoir la compétence Boomerang. Alors soit vous obtenez la carte compétence Boomerang, une carte qui s'obtient grâce à la requête un tueur bien consciencieux, ou au pire, vous montez Dakini au niveau 52. Au niveau 52, elle apprendra la compétence Boomerang. Une fois au niveau 52 et la compétence obtenue, fusionnez Dakini plus Hame no Utsume, qui vous permettra d'avoir un Anubis avec Boomerang. Puis maintenant, allez dans Fusion Avancée et trouvez le 7 qui demandera un Anubis pour donner à 7 la compétence Boomerang que Dakini a donné à Anubis et que Anubis donnera à 7. Ce qui vous donnera votre 10e lien avec votre 10e grade, on peut dire, avec les jumelles. Voilà, et une fois ceci fini, vous aurez la persona la plus puissante de l'arcane de la force. Vous aurez droit à pouvoir créer Zhao Gongen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao Mina. よくぞやり遂げました。私たちの当初の見込みを大きく超え、囚人にこの言葉が適切かは分かりませんが、散々手がかかったが、まあ認めてやろう。さて、もうありません。あなたはリストにあるすべての課題を、これで力を司る者として、の私の力を。 司る。なぜ、こんな言葉が口。頭の中に声が。ジュスティーヌ。いえ、何でもないです。
この記憶は私いや、やはりこれは すみません。心配ない。前に私に会ったことと同じだ。おのれ囚人、貴様が余計な口出しをするからだ。いえカロリーヌ、それはさすがに責任転嫁という。最後の最後まで手のかかる囚人だ。まったく仕方ない。あれを解禁してやろう。もしや心配されて嬉しいという気持ちを表現するのが照れくさいのですね。違うし、とにかく囚人、ここまでしてやるのだ。ない。その確かに貴様は問題児だ。だが貴様が成し遂げた試練、あなたはその気になれば腐るな。戦え貴様、必ずや破滅を乗り越えてみせろ。信じているぞトリックスター。必ず真実にたどり着いてみせろ。待っていますよ。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、豪気の究極なる秘宝に目覚めたり。よしよし、くれぐれも気を抜かないことです。ちゃんと鉄格子を出るまでが構成だ。わかったな。